happy new month. Amen. Oh, are you not happy to see my face? Est-ce que vous n'êtes pas content de me voir? I'm so happy to see your face. Moi, je suis si content de vous voir. Our God has been so mindful of us. Notre Dieu a été si bon pour nous. From the very first month of the year. Depuis le premier mois de l'année. To this 11th month of the year. En ce 11e mois. What can we say? Que pouvons-nous dire? We're going to say, Daddy, thank you. Nous allons dire Papa, merci. Hallelujah. Amen. In 1 minute. En 1 minute. Just 2 minutes. Just lift your hands to heaven. Élevez tout simplement vos mains vers le ciel et dites Papa, merci. You have done us so well. Tu nous as fait du bien. You have done us so good. Tu nous as fait du bien. You have preserved our life. Tu as préservé nos vies. You have met all our needs. Tu as pourvu à tous nos besoins. You have changed our story. Tu as changé nos histoires. You have decorated us with your glory. Tu nous as décorés par ta gloire. We have seen your goodness. Nous avons vu ta bonté. With mercies and compassion. Ta miséricorde et tes compassions. We cannot thank you enough. Nous ne pouvons pas suffisamment we te remercier. Thank you so much. Nous pouvons juste te remercier un peu thank plus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Blessed be thy name. Béni soit ton nom. Thank you, Father. Merci, Père. For in Jesus' most glorious name, au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Dis amen. Yes, you have given God thanks for your life. Vous avez rendu grâce à Dieu pour vos vies. If you have lost anything, si vous avez perdu quoi que ce soit, it is God that you didn't lost everything. C'est à cause de Dieu que vous n'avez pas tout perdu. You are complaining you lost something. Vous êtes en train de vous plaindre que vous avez perdu quelque chose. What about the one that lost his life? Qu'en est-il de la personne qui a perdu sa vie? Hallelujah. Amen. As long as your life is still, you still have your life. Aussi longtemps que vous avez la vie. You still have your breath. Vous avez le souffle. Something good will happen to you. Quelque chose de bon vous arrivera. He said, "The righteous may fall 7 times." Il a dit le juste homme 7 fois. He will still rise again. Mais le Seigneur le relève. Job said, "All the days of my appointed time." Et Job a dit tout le temps de ma vie. I will wait. J'attendrai my change comes. Jusqu'à ce que mon cas vienne à changer. Change is coming. Le changement de quelqu'un arrive. And this month is the month of that your change. Ce mois est le mois de ce changement. Now let me tell you what God said to us this morning. Maintenant, je vais vous dire ce que Dieu nous a dit ce matin. Concerning winner family Dibadibado. Au sujet de la famille des vainqueurs de Dibadibado. He took us to Matthew chapter 20. Il nous a emmenés dans Matthieu 20. From verse 1. Verset 1. He said, a man went out to hire labor in the morning. Un homme est allé chercher des ouvriers le matin. Jesus was talking about himself. Jésus parlait de lui-même. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Then he met laborers at about 6 in the morning, at 7 in the morning, idle. Il est sorti vers, il a trouvé vers 6h ou 7h des ouvriers oisifs. He engaged them. Il les a pris. And there is a fixed price of what we pay them at the end of the day. Et il y a un prix fixe pour la journée. He came out again around 9 in the morning. Et il est sorti encore à 9h. Then he engaged them again. Il en a employé encore. Then he came out by 6, so he came out at 11th hour. Et il est sorti à la 11e heure. 11th hour, talk about 17 hours. À 11e heure, on peut considérer cette 11e heure comme 17 heures. And in Hebrew, the official closing hour is 18 hours. Et en hébreu, c'est à 18 heures qu'il close, qu'il ferme. And he made people idle at 17 hours. Et à 17 heures, il a trouvé des gens oisifs. He engaged them. Il les a embauchés aussi. They only work 1 hour. Ils n'ont travaillé qu'une heure. While others work the normal 8 hours of the day. Alors que les autres ont travaillé 8 heures. But this one that came at the 11th hour, which is the closing hour. Mais ceux qui sont arrivés à la 11e heure, c'est-à-dire à la fin de l'heure. Jesus said, "I will start paying with them first." Jésus a dit qu'il va payer. And he paid them what they would have earned if they had worked for 8 hours. Et il leur a donné ce qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé 8 heures. And
The other said, we worked 8 hours. How come we are receiving the same money with the ones that work just 1 hour? Et les autres ont dit, on a travaillé 8 heures. Pourquoi est-ce que nous recevons la même paye? And he said, et il a dit, I pay you the labor for 8 hours. Je vous ai payé 8 heures. Now, what concerns you if I choose people that work 1 hour, pay them for 8 hours? Qu'est-ce qui te concerne si je choisis de payer 8 heures quelqu'un qui a travaillé 1 heure? Now, what has happened to those that work 1 hour? Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont travaillé 1 heure? Psalm 126. Psaume 126. Said, when the Lord turned again our quand l'Éternel ramena nos captifs, we were like them nous that étions dream. Comme ceux qui font un rêve. From working hour to the 11th hour, des heures de travail jusqu'à la 11e like heure. A wasted hour day for them. C'était comme si c'était des heures but perdues. Just at the close hour, mais à la dernière heure, the Lord came and turned again their captivity. L'Éternel est venu transformer leur captivité. That is what we call 11-hour divine visitation. C'est ce qu'on appelle la visitation de la 11e heure. Concerning us in Winner Chapel, Dibadibado. En ce qui nous concerne à la chapelle des vainqueurs, Dibadibado. In this 11-hour month. En ce mois de la 11e heure. It shall be 11-hour divine visitation. Ce sera la 11e heure de la visitation divine. Now in the next 2 minutes. Maintenant, dans Jesus 2 minutes. Christ. Jésus Christ. The God of 11th hour divine visitation. Le Dieu de la visitation de la 11e heure. Locate me. Localise-moi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Jesus Christ. Jésus Christ. The God of 11th hour divine visitation. Le Dieu de la visitation de la 11e heure. In this 11th hour of the year. En cette 11e heure de l'année. Locate me. Visite-moi. Locate me. Localise-moi. 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 Rasetera dabo. E presento lura sataba. Jesus Christ. Jésus Christ. The God of 11th hour le divine Dieu visitation. De la 11e heure de la visitation in de la 11e hour of the year. En cette 11e heure de l'année. Locate me. Localise-moi. With your divine visitation. Avec ta visitation locate divine. Locate me. Localise-moi. With your divine favor. Avec ta faveur divine. Locate me. Localise-moi. With your divine mercy. Avec ta miséricorde locate divine. Me. Localise-moi. With your divine grace. Avec ta grâce divine. Jesus Christ. Jésus Christ. The God of 11th hour visitation. Le Dieu de la visitation de la 11e heure. In this 11th month of the year. En ce 11e mois de l'année. Locate me. Localise-moi. With your divine visitation. Avec ta visitation locate divine. Locate me. Localise-moi. With your divine favor. Avec ta faveur divine. Locate me. Localise-moi. With your divine grace. Avec ta grâce divine. I align myself. Je m'aligne. Locate me, Lord. Localise-moi, oh locate Dieu. 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 Me, Lord. Localise-moi, oh thank Dieu. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Father. Merci, Père. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. Hear me. Écoutez-moi. Before the 10th of this month. Avant la fin de ce mois, you will start singing avant le 10 de ce mois, vous allez commencer à chanter les cantiques de visitation. Before 10th of this month, avant le 10 de ce mois, you will start singing divine visitation song. Vous allez chanter les cantiques de la visitation divine. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Congratulations. Félicitations. Help me congratulate minimum 3 persons. Aide-moi à féliciter au moins 3 personnes. Félicitations. Congratulations. Félicitations. Congratulations. Félicitations. Congratulations. Félicitations. Give the Lord a big clap offering. Donne à l'Éternel une offrande d'acclamation et asseyez-vous. Hallelujah. Amen. On behalf of Jesus Christ. De la part de Jésus-Christ, the owner of the church, le chef de l'église, I welcome you to your 11th hour of divine visitation. Je vous souhaite la bienvenue à votre 11e heure de la visitation divine. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. Let's quickly move into the word for tonight. Rapidement, nous allons dans la parole de ce soir. As be declared. Comme cela a été déclaré, praise facilitates fulfillment of prophecies. La louange facilite l'accomplissement des prophéties. Now we'll be going through the teaching series. Nous allons
prendre l'enseignement, les séries d'enseignements. How praise facilitates fulfillment of prophecies. Comprendre comment la louange facilite l'accomplissement des prophéties. So it is important for us to know what is prophecy. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi la prophétie. What is prophecy? C'est quoi la prophétie? So briefly tonight. Brièvement ce soir. Prophetic scriptures are defined as the more sure word of prophecy. Les écritures prophétiques sont définies comme la parole sûre de prophétie. They are the more sure word of prophecy. Ce sont les paroles sûres de la prophétie. Which means they are too certain. C'est-à-dire que ce sont des paroles si certaines that they can't be bent, qui ne peuvent pas they can't be reversed, qui ne peuvent pas être reversées. It's a sure word. C'est une parole according sûre. To 2 Peter chapter 1, selon 2 Pierre 1, verse 19 to 21, 19 à 21, we have also a more sure word of prophecy. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Whereunto ye do well that you take heed. À laquelle vous faites bien de prêter attention. As unto the light that shines in the dark place. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Until the day is done. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. And the day star rise in your hearts. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. So what is he saying? Quelqu'un dit encore. Whichever area of concern in your life. Peu importe le domaine. If you can find the word of God. Si tu peux trouver la parole de Dieu. Begin to dwell on that word. Commence à t'asseoir sur cette parole. Joshua chapter 1 verse 8. Josué 1, 8. Now after the death of Moses. Après la mort de Moïse. The assignment, the task, the mantle handed over to Joshua. It was too big for him. La mission, le mandat, le manteau qui a été remis à Josué était trop grand pour lui. The God came down. Et l'Éternel est descendu. And said to Joshua. Et a dit à Josué. Now my servant is gone. Maintenant que mon serviteur est parti. He said, but let this book not depart from thy mouth. Que ce livre ne s'éloigne point de ta he bouche. He said, meditate on it day and night. Tu le méditeras jour et nuit. You meditate with your heart. Tu médites avec ton cœur. You ponder over issues with your heart. Tu réfléchis sur des sujets avec le cœur. We use our heart to meditate. Nous utilisons le cœur pour méditer. He said, meditate on it day and night. Il a dit médite jour et nuit. He said, be strong and be courageous. Il a dit sois courageux et as sois I fort. Was with Moses, so I will be with you. Comme j'étais avec Moïse, ainsi je but serai avec when you toi. See the assignment, mais quand tu prends la mission, you will think it's impossible task for you. Tu peux penser que c'est une tâche that impossible. Is why I am begging you now. C'est pourquoi je t'en prie maintenant. Meditate on my word. Médite sur ma parole. Let it be rich in your heart. Que cette parole soit dans ton cœur. He said, when my word is rich in your heart. Quand ma parole est richement établie dans ton cœur. You will command good success. Alors tu réussiras. Hallelujah. Amen. When you are talking about success, you are talking about dominion in life. Quand on parle de réussite, on parle commanding de domination dans la vie. Positive results. Avoir des résultats positifs. So the word of God in 2 Peter is telling us. Donc la parole de Dieu dans 2 Pierre nous dit. Whichever area of your challenge. Peu importe le domaine de défi. Locate the word of God. Localise la parole de meditate Dieu. Meditate on it. Médite dessus. Until the challenge is rolled away from your heart. Jusqu'à ce que ce défi est enlevé de ton cœur. The battle you don't win in your heart. La bataille que tu ne gagnes pas dans ton cœur. You cannot win it in reality. Tu ne peux pas la gagner physiquement. So what is this scripture saying? Qu'est-ce que cette écriture dit? Kenneth E. Hagin, in blessed memory. Kenneth Hagin perd son âme. No, at the age of 17. À 17 ans. He was afflicted with a deformed heart. Il était malade. Il avait une maladie cardiaque.
A deformed heart. Un cœur déformé. The doctor gave up on him. Et les docteurs ont abandonné son cas. The family gave up on him. La famille l'a abandonné. The pastor said it is over. Le pasteur a dit que c'était fini. He was bedridden. Il était alité. For over 13 months. Pendant plus de 13 mois. He was on a bed. Il était sur un They lit. They carried him out. On l'emmenait. They bring him back. Et on le ramenait. He can't do anything. Il ne pouvait rien faire de lui-même. He was on the bed. Il était alité. With excruciating pain. Avec des douleurs intenses. Are we together? Est-ce que vous suivez? Then, with the pain he was going through. Avec les douleurs qu'il avait. The pastor came to him. Le pasteur est venu. And said, "My son, be patient." Il lui a dit, sois patient. It's just a matter of days. Ce n'est qu'une question de jours. The pain will be over. Les douleurs passeront. In a matter of days. Dans quelques jours. You will enter eternal rest. Tu vas entrer dans le repos éternel. In a matter of days, dans quelques jours, you'll be out of this painful world. Tu sortiras de ce monde Just pénible. Just be patient. Un peu, you un will peu soon patient. Go and meet your maker. Tu vas bientôt aller rencontrer ton créateur. Hallelujah. Amen. But however, cependant, his hands were so dead. Ses mains étaient si inertes. He can't open the Bible. Qu'il ne pouvait même pas so ouvrir la Bible. Somehow. Donc d'une façon ou d'une He autre, shook and shook the Bible fair. La Bible est tombée. And this open Mark chapter 9 verse 23. Et c'est ouvert dans Marc 9 23. If you can believe, si tu peux croire, all things are possible. Tout est possible. To them that believes. À celui qui croit. That was what opened. C'est ce qui était ouvert. He said, Lord, I believe. Il a dit, Seigneur, je crois. He began to meditate on it in his heart. Il a commencé à méditer dans son cœur. He said, Lord, I believe. Il a dit, Seigneur, je crois. I believe I will live again. Je crois que je vivrai. I believe I will live again. Je crois que je vivrai. I believe I will not die. Je crois que je ne mourrai pas. Then he heard in his heart. Mais il a entendu dans Then son if cœur. You can believe, si tu peux croire. According to the word of God now, selon la parole de Dieu. All things are possible. Tout est possible. So if you believe, you will live again. Si tu crois que tu vivras. What are you doing on the sick bed? Qu'est-ce que tu fais sur ce lit? Get up! Lève-toi! This man had been buried for over 13 months. Celui qui était alité depuis plus de 13 mois. He shook and sat on the bed. Il s'est tiré et il s'est assis. The body was shaking. Et son corps tremblait. The first leg on the floor. Et il a mis le premier pied au sol. Shaking. Il tremblait. The second leg on the floor. Il a mis le deuxième pied. Shaking. Il tremblait. And he moved. Et il a commencé à avancer. And he moved. Il a commencé à avancer. And he moved. Il a commencé à avancer. And he moved. Il a continué à avancer. So gradually he walked out on his dead bed and dead room. Et c'est comme ça qu'il est sorti de ce lit de mort et de cette chambre de mort. As he walked on the living room. Et quand il est arrivé au salon. He met his grandfather. Il a vu son grand-père. The grandfather said, "Has Lazarus risen from the grave?" Il a dit, est-ce que Lazare est sorti du tombeau? That was the word his grandfather used. Et c'est ce que son grand-père avait dit. He said, yeah, grandfather, Lazarus have risen from the grave. Il a dit, oui, Lazare est sorti du tombeau. He sat. Il s'est assis. For the first time. Pour la première fois. With the shaking hand. Avec ses mains qui tremblaient. He fed himself. Il s'est nourri. Then he went back to the room again. Et il est reparti dans la chambre. And he opened the Bible. Et il a ouvert la Bible. And said, Lord, show me more scripture that I will live. Il a dit, montre-moi plus d'écriture. And he got to Psalm 91. Et il est arrivé à Psaume 91. Verse 16. Verset 16. With long life. Je te rassasirai. I will satisfy you. De jour. Ah, he jumped up. Il s'est levé. With long life. De longs jours. I will satisfy you. Je te rassasirai. 17 is not long life. Et 17 ans, ce n'est pas long. So c'est, I am pas not long. Satisfied by 17. Je ne suis pas rassasié de 17. And he walk out. Et il est sorti. He walk out. Il est sorti. The sickness left him. Sickness left him. Et plus la maladie l'a quitté. After a while, he came back to the room again. Et après quelques temps, il est revenu dans la chambre. The devil said. Et le diable a dit. That scripture you are running with. Cette écriture que tu as, It's an Old Testament. C'est dans l'Ancien Testament. It's not New Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Immediately that thought came into him. Et dès que cette pensée est revenue, He became deformed again. Il était encore mal en point. Leg dead, hand dead. Et ses pieds et ses mains, plus rien ne marchait.
I'm trying to tell you about the more sure word. He lightens your heart. J'essaie de vous parler de la parole certaine de la prophétie. It can't lighten your life. Jusqu'à ce qu'elle éclaire votre cœur. Jusqu'à ce qu'elle éclaire votre cœur. It can't light your heart. Peut pas éclairer votre vie. So he became almost dead again. Donc il était presque mort encore. Then he now heard. Et il a entendu. The Holy Spirit speak to him again. Le Saint-Esprit lui dit. If it was not relevant. Si c'était pas important. The Holy Spirit would not put it in the Bible. Le Saint-Esprit ne mettrait pas cette parole dans then la Bible. He told the devil again. Et il a dit au diable. If it was not relevant for me. Si c'était pas important pour moi. It would not be here. Ce ne serait pas dans la Satan Bible. Satan, get behind me. Satan, arrière de moi. I will live again. Je vivrai. Immediately. Immédiatement. Life came to him. La vie est revenue. I don't know what the devil may have said to you. Je ne sais pas ce que le diable vous a dit. C'est un mensonge. It's a lie. C'est un mensonge. Whatever is not God's word. Tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu. It will fade away. Va disparaître. Only God's word stands forever. Seule la parole de Dieu subsistera. So if you must command results in life. Donc si vous devez commander des résultats dans la vie. Allow God's word to be rich in your heart. Permettez à la parole de Dieu de demeurer dans if vos cœurs. If your heart can accommodate it. Si votre cœur peut la recevoir. Your life will experience it. Votre vie l'expérimentera. If your heart can accommodate si it. Si votre cœur peut recevoir la parole. Your life will experience it. Votre vie l'expérimentera. Only what your heart accommodates. Seul ce que vous recevez dans le cœur. Is what your life can experience. Peut influencer votre vie. I told my wife some time ago. J'ai dit à ma femme il y a quelques années. I said, don't pray those fearful prayers where I am. J'ai dit ne fais plus les prières de peur à côté de moi. I said, have you two observed there are some prayers you pray when you are praying them? I won't say amen again. Je lui dis, est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a des prières que tu fais quand tu pries, je ne dis pas amen. Because the world is loaded with fear. Parce que la prière est remplie de peur. The righteous. Le juste. As bold. Est aussi courageux. As lion. Qu'un lion. Tout démon qui dit que je vais mourir. I will tell the devil I will attend your funeral. Je dirai à ce démon je serai à tes funérailles. With long life. Je te rassasirai. Will he satisfy me? De longs jours. I don't need somebody to prophesy to me. Je n'ai pas besoin que quelqu'un prophétise pour I moi. I have a more word of your prophecy here. J'ai une parole certaine de prophétie. If I can locate it, et si je peux la localiser, I will become it. Je vais devenir if ce que j'ai trouvé. Si vous pouvez localiser you cette will parole, it. Vous deviendrez cette parole. Hallelujah. Amen. The devil is not afraid of prayer warrior. Le diable n'a pas peur des guerriers de prière. The devil is afraid of word warrior. Il a peur des guerriers de la parole. Jesus did not defeat the devil with prayer. Jésus n'a pas défié le diable avec la prière. He defeated him with the word. Il l'a défié avec la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit jusqu'à ce qu'il lui dise arrière de moi. After Jesus was crucified, après la crucifixion de Jésus, they came to meet Pilate. Ils sont venus. They said, why did you write the king of the Jews? Et ils ont dit, pourquoi est-ce que tu as tué le roi des Juifs? Change it. Pourquoi est-ce que tu as écrit le roi des Juifs? Change. Pilate said, Pilate a dit, what is written, ce qui est écrit is written. Est écrit. And the Lord opened my eye. Et l'Éternel a ouvert that mes yeux. What is written here, sir? Que ce qui est écrit là. Is written. Est écrit. It can't be reversed. Ça ne peut pas être no changé. No forces can reverse it. Aucune force ne peut no changer power cela. Can reverse it. Aucune puissance ne peut changer cela. So. There are words, there are prophetic words from the mouth of God himself. Ce sont des paroles prophétiques de la bouche de Dieu lui-même. Every word loaded in the scripture. Toute parole contenue dans les écritures. There are prophetic words from God's mouth himself. Sont des paroles prophétiques de Dieu. Talking about Jesus Christ. Parlons de Jésus-Christ. They say, if all his activities.
Si toutes ses activités in his 3.5 years ministry on earth, durant ses 3 ans et demi de ministère sur terre, to be put in a book, si on devait le mettre dans un livre, no book contain it. Aucun livre ne pourrait le contenir. That means, ça veut dire, what I find from Genesis to Revelation, ce qui est écrit de Genèse à Apocalypse, they are selected, ont été sélectionnés for my life, pour ma vie. So why? That's why when an angel showed me something contrary to this, I'll tell the angel, if it was needful for me, you would have been added here. Si un ange me montre quelque chose qui est contraire à cela, je lui dirai, si j'en avais besoin, ce serait écrit là. Isaiah 34, verse 16. Isaïe 34, 16. It says, search the scripture. Consultez le livre de l'Éternel. None shall lack a mate. Élisez, aucun d'eux ne fera de faux. My mouth has commanded it. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa and bouche l'a ordonné. And my spirit will gather them. Et c'est son esprit qui les rassemblera. Every word here are commanded by God. Toutes les paroles ici sont ordonnées par Dieu. When you believe in it and run with it, quand vous y croyez et que vous agissez God's avec, spirit gather it to become life in l'esprit you. De Dieu rassemble ces paroles et ça devient so vie. God's prophetic agenda for his church, donc l'agenda prophétique de Dieu pour son église and his people is contained in the scripture. Et pour son peuple est contenu dans les écritures. Now hear one powerful word that's always turned me on. Maintenant, écoutez cette parole puissante qui me met toujours en éveil. Acts 20:32. Acts 20:32. He said, "And now, brethren." Et maintenant. I commend you to God. Je vous recommande à Dieu. And to the word of His grace. Et à la parole de sa grâce. Do you see that? I commend you to God. Je vous recommande à Dieu. And to the word of His grace. Et à la parole de sa grâce. Which is able to build you up. À celui Ooh. Qui peut édifier. So hear me. Écoutez. God's word build up. La parole de Dieu édifie. God's word don't break down. La parole de Dieu. You can't locate God's word and go down in life. Vous ne pouvez pas voir la parole de Dieu et être à terre dans la vie. Proverbs 4:18 said the path of the just is like a shining light. Proverbe 4:18 dit le sentier du juste est comme une lumière resplendissante. Dans l'éclat va croissant. God's word has no capacity to destroy you. La parole de Dieu n'a pas la capacité de vous détruire. He only carries power to build you. Mais la parole de Dieu rassemble la puissance pour vous édifier, power pour vous bâtir, you. La puissance pour vous faire avancer, power to take you forward. La puissance pour vous emmener de l'avant. No wonder our father will say, c'est pour ça que notre papa there dit, is no mountain anywhere. Il n'y a de montagne nulle part. A man's ignorance is his mountain. L'ignorance de tout homme est sa montagne. We were in one location. On était quelque part my wife. À une fête avec ma femme. Somebody we were working with. Quelqu'un qui travaillait avec nous. Was employing, bringing demonic people. Il emmenait des personnes démoniaques. To come and what? To come and attack us. Pour venir nous attaquer. To come and intimidate us. Pour venir nous intimider. So it was a fierce battle. C'était une bataille redoutable. But I was always telling my wife one word. Mais je disais toujours à ma femme. The light shines in darkness. La lumière luit dans les ténèbres. And darkness comprehends et les ténèbres ne l'ont point reçu. As long as they are using darkness power against me. Et aussi longtemps qu'ils utilisent la puissance des ténèbres contre moi. I will lift my eyes unto the hills. Je lève mes yeux vers les montagnes. Someone from heaven come at my head. D'où me viendra le secours? My head le come secours from the Lord. Me vient de l'Éternel. The maker of heaven and earth. Qui a fait le ciel et la terre? Whoever is using the highest occultic power on earth. Quiconque utilise les puissances occultes. To dare my life. Pour menacer ma vie. Let that force is here now. Que ces forces écoutent maintenant. I lift my eyes unto the east. Je lève mes yeux vers les montagnes. From hence cometh my help. D'où me viendra le secours? My help cometh from the Lord. Me vient de l'Éternel. The maker of heaven and earth. Le ciel et la terre. If my help cometh from the Lord. Si ton aide vient de l'Éternel. Who is that devil that can put me down? Qui est ce démon qui peut te renverser? The devil that can put me down. Le démon qui peut me renverser. It's not existing. N'existe pas.
But aussi prophetic word come to pass. Mais pour que les paroles prophétiques s'accomplissent, we must receive. Nous devons recevoir. Believe. Croire. And put them to work. Et les mettre en pratique. Receive. Reçois. Believe. Croire. And put them to work. Et mets-les en pratique. John chapter 1 verse 11. Jean 1 11. Or if you read from verse 1. Ou si vous lisez à partir de verset 1. He said, "The beginning was the word of the God, and the word was God." Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est la parole. Et verset 11. Il est venu aux siens. Il est venu aux siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Verse 12 said. Verset 12 dit. But as many that receive him. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. To them he gave what? Il leur a donné power. To become what? Le pouvoir. The sons of God. Pour devenir enfants de Dieu. You heard our brother's testimony. Vous avez écouté le témoignage de notre frère. The child swallowed a nail. L'enfant a avalé une pointe. Because he's a father. Parce qu'il est père. He stood for the child. Il s'est tenu. I said, no way. Il a dit rien. No evil will happen to you. Aucun mal ne t'arrivera. A supernatural surgery brought out the nail. Et il y a eu une opération surnaturelle qui a fait sortir la pointe. That is father-son relationship. Ça, c'est la relation père-fils. Now, as many that believe, maintenant, à tous ceux qui croient, to them he gave power. Il leur a donné le pouvoir to become what? De devenir quoi? The sons of God. Enfants de Dieu. If an earthly father, si un père terrestre can command instant deliverance for the son, peut ordonner la délivrance instantanée pour son fils. What about our heavenly father? Qu'en est-il de notre Père céleste? Hallelujah. Amen. If an earthly father, si un père terrestre, can command instant deliverance for the son, peut ordonner la délivrance instantanée pour son fils. What about our heavenly father? Qu'en est-il de notre Père céleste? Beloved, hear me. Bien-aimé, écoutez-moi. No forces is strong enough. Aucune force n'est suffisamment forte. To destroy you. Pour te détruire. To destroy your destiny. Pour détruire ta famille. Ta destinée. Colorful and is bright, I must get there. Coloré et brillant, j'y arriverai. Mon avenir est brillant, j'y arriverai. I must get there. Your future is bright. Ton avenir est brillant, tu y arriveras. Hear me. Écoutez-moi. Your future is bright. Votre avenir est brillant. You are permitted to come here beaten and battered. Vous êtes autorisé à venir ici battu et brisé et abattu. You are permitted to come here depressed and oppressed. Vous pouvez venir ici oppressé et déprimé. But you are not permitted to remain here in that state. Mais vous n'êtes pas autorisé à rester dans cet état en étant là. À la montagne de Sion, il y a la délivrance. 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 I decree your deliverance. Je décrète votre délivrance. Je décrète votre délivrance. In the mighty name of Jesus. Si votre adversaire is using black power, utilise la magie noire, then you use God power. Vous utilisez la puissance de Dieu. Moses came to Egypt. Moïse est venu en Égypte with God power. Avec la puissance de Dieu. Then his power could only produce one serpent. Et sa puissance ne pouvait produire qu'un serpent. Just one. Juste un. Pharaoh said, "Okay, I will tell you what you can do. I could do it better than you." Et Pharaon s'est dit, je te dirai, je vais te montrer que ce que tu peux faire, je peux faire mieux que toi. Then Pharaoh produced multiple serpents. Il a produit plusieurs serpents. But all the multiple serpents. Mais tous ces serpents là. As they came out. Quand
quand ils sont sortis, they saw the serpent of serpents. Ils ont vu le serpent des serpents. And they said, on your lordship, we obey. Et ce serpent dit, nous saluons ta seigneurie. And he just opened his mouth. Il a juste ouvert sa gueule. Come. You come. Toi viens. 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 A thousand will fall at your side. Que mille tombent à ta à ton côté. 10,000 at your right hand. Et 10,000 à ta droite. They shall not come near you. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. So for us to continue seeing God's word answering for us. For we to see God's word working in our life. Pour que nous voyons la parole de Dieu œuvrer dans nos vies. We must water the seed in a good heart. Nous devons arroser la semence dans un bon cœur. How do we make our heart good? Comment est-ce que notre cœur devient bien ou bon? Praise. La louange. Praise. La louange. La louange. La louange. C'est clair? Is that clear? La louange. Praise. No matter the state you are. Peu importe ton état. Don't speak according to what you are feeling. Ne dis pas, ne déclare pas ce que tu ressens. Speak according to God's word. Déclare la parole de Dieu. Joël chapitre 3 verset 10. Joël 3 10. He said, let the weak say I am what? Que le faible dit je suis. Then it's never you confess negative. Il ne faut jamais confesser négatif. Because. Parce que. Proverbe 12 14 said. Proverbe 12, 14 dit, a man shall be satisfied with good works. Un homme de la même bouche sort la bénédiction. That is the fruit of your mouth. Un homme est satisfait de la parole qui sort de sa bouche. Proverbe 13, le fruit des lèvres. Des lèvres. Proverbe 13, 2. He said, a man shall eat good by the fruit of his mouth. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. But the soul of the transgressor. Mais ce que désire les violence. Perfides, c'est la violence. 12 spies were sent. 12 espions ont été envoyés. To go and spy the Canaan land. Pour aller épier Canaan. 10 said. Caïn a dit. We are not able. Nous ne sommes pas capables. God said. Dieu a dit. Amen. Amen. Joshua and Caleb said. Josué et Caleb ont dit. We are much able. Nous sommes bien capables. God said. Dieu a dit. Amen. Amen. So whatever you are seeing, donc tout ce que tu dis, because out of the abundance of the heart, tout ce que tu vois parce que de l'abondance du cœur, must speak. La bouche parle. We are not able, God said amen. Nous ne sommes pas capables, Dieu a dit amen. We are able, God nous said sommes amen. Capables, Dieu a dit amen. Say I am able. Dis je suis capable. Say I am going forward. Dis je vais de l'avant. Dis amen. Amen. As I round up this night. Pendant que je clôture. What is prophecy? Qu'est-ce que la prophétie? Prophecies are not just religious wishes. Les prophéties ne sont pas des souhaits religieux. But they are the unfolding of divine plan. Mais c'est le révèlement ou la révélation du plan divin. Unfolding of divine plans. La révélation du plan divin. Joshua 21, verse 45. Josué 21, 45. He said, there fear not out any good thing which the Lord has spoken unto the house of Israel. All came to pass. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. All came to pass. Tout s'accomplit. Every good word. Toute bonne parole. Deuteronomy 28, verse 1. Deutéronome 28, 1. I prophesy to somebody tonight. Je prophétise à quelqu'un ce soir. It shall come to pass. Il arrivera. You will get married. Que tu te maries. It shall come to pass. Il arrivera. You will have your children. Tu auras tes enfants. It shall come to pass. Il arrivera. You will get that your desired job. Que tu aies ce travail désiré. It shall come to pass. Il arrivera. Your
taken upturn. Que tes affaires prospèrent. It shall come to pass. Il arrivera. By the holy communion table. Par la table de la communion. Every satanic nyama nyama in your body. Toutes les bobos sataniques dans ton corps. They shall be flushed out. Seront expulsés. It shall come to pass. Il arrivera. Whatever my heavenly father has not planted. Tout ce que mon Père céleste n'a pas planté. That has found its way into your life. Et qui s'est retrouvé dans ta vie. Its way into your family. Dans ta famille. By this holy communion table. Par cette table de communion. They shall be uprooted. Ils seront déracinés. Pourquoi? Why? For upon Mount Zion. Car à la montagne de Sion, there shall be deliverance. Il y a la délivrance. I don't know who has placed a curse on you. Je ne sais pas qui a placé une malédiction sur vous. I don't know who has placed a curse on your family. Je ne sais pas qui a placé une malédiction sur votre famille. I don't know who has placed a curse on your business. Je ne sais pas qui a placé une malédiction sur vos affaires. Proverbe 26, verse 2. Proverbe 26, 2. Proverbe 26, verse 2. Studio. Proverbe 26, 2. Studio. It says, as a bird by wandering. Comme l'oiseau s'échappe. As the swallow by flying. Comme l'hirondelle s'envole. So the ainsi, cause la malédiction shall not sans come. Cause n'a point d'effet. I don't care who has placed a curse on your life. Peu importe qui a placé une malédiction sur ta vie. It's a causeless cause. C'est une malédiction sans cause. It shall not come. Qui n'a pas d'effet. 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 In the name of au Jesus. Nom de Jésus. It shall come to pass. Il arrivera. Who is it that says? Qui est celui-là qui dit une chose? And it comes to pass. Et cela arrive. When my God quand l'Éternel ne l'a point ordonné. Rise on your feet. Levez-vous. Abba Father, Abba Père, only your word, seule ta parole, find rest in my life, s'accomplit dans ma vie. Only your word, seule ta parole, find rest in my family, s'accomplit dans ma famille. Only your word, seule ta parole, find rest in my business, s'accomplit dans mes affaires. Only your word, seule ta parole, find rest in my career, s'accomplit dans ma carrière. Only your word, seule ta parole, find rest in my health, s'accomplit dans ma santé. Begin to declare it. Commencez à déclarer declare cela. It, declare it, declare it. Déclarez, déclarez, déclarez. Razato balera da balaba. S'accomplira dans ma vie. Only your word. Seule ta parole. Find rest in my family. S'accomplira dans ma famille. Only your word. Seule ta parole. Find rest in my children. S'accomplira dans la vie de mes only enfants. Your word. Seule ta parole. Find rest in my business. S'accomplira dans mes affaires. Il y a quand on parle. Il arrivera. Yakate sera da ba la ba la ba. Reste tout l'arrêt que c'est au baraba. Yes, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Welcome to your month of fulfillment of prophecy. Bienvenue à votre mois d'accomplissement des prophéties. Whatever may have been hanging since the beginning of the year. Peu importe ce qui est resté suspendu depuis le début de l'année. This month, ce mois, they shall be delivered. Vous les recevrez. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. Lift your hands to heaven. Levez vos mains au ciel. I say, Father, thank you for your word tonight. Et dites, Père, merci pour ta parole ce soir. Say, Father, dis, Père, let this word grow root downward in my life. Que cette parole s'enracine dans ma vie. And bear fruit upward in my life. Et porte des fruits.
Thank you, Father, for your word tonight. Merci, Père, pour ta parole. Blessed be thy name. Béni soit ton nom. In Jesus' most glorious name. Au nom glorieux de Jésus. We have prayed. Nous avons prié. Shortly now, we partake in the Holy Communion. Brièvement, avant de prendre la Sainte Communion. Before we partake in the Holy Communion. Avant de prendre la Sainte Communion. You are here tonight. Tu es là. You know you are not born again. Tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Oh, you are born again. Ou tu étais né de nouveau. Somehow. Et en chemin. You are no more in contact with Jesus. Tu n'es plus en contact avec Jésus. Jesus, et tu as envie de dire Jésus. I open up my heart for you. Je t'ouvre mon cœur. Come into my heart. Entre dans mon cœur. Take over my life. Prends ma vie. Because the whole life starts from the heart. Parce que le tout commence dans le cœur. Tu veux faire cette prière? Put your right hand on your chest. Mets ta main droite sur la poitrine. And lift the other one up. Et lève ta main gauche. I want to open up my heart for Jesus. Je vais donner mon cœur à Jésus. Put your right hand on your chest. Mets ta main droite sur la poitrine. And lift the other hand up. Et lève la main gauche. And follow, take this prayer after me. Et répète cette prière après moi. Short and powerful. Courte et puissante. Father, Père, in the name of Jesus au nom de Jésus Christ. Thank you for sending me your word tonight. Merci d'avoir envoyé ta parole ce soir. I am a sinner. Je suis un pécheur. I can't help myself. Je ne peux pas m'aider. Jesus Christ. Jésus Christ. I acknowledge you died for me. Je reconnais que tu es mort pour moi. You shed your blood for me. Tu as versé ton sang pour moi. And you resurrected for me. Et tu es ressuscité pour moi. From today. À partir d'aujourd'hui. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Cleanse me from all sins. Lave-moi de tout péché. Come into my life. Entre dans ma vie. Be the Lord of my life. Sois le Seigneur de ma vie. Be my Savior. Sois mon Sauveur. Thank you, Jesus Christ. Merci Jésus-Christ. For setting me free. De me sauver. From tonight. À partir de ce soir. I am born again. Je suis né de nouveau. I am now yours, Jesus. Je suis maintenant à Jésus. Satan. Concerning my life. En ce qui concerne ma vie. Get lost. Va-t'en. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And amen. Amen. Félicitations. Congratulations. Please just come to the altar. Venez devant. I want to pray another short, powerful prayer for you. Venez vers l'autel, je vais faire cette prière pour vous. Just come over to the altar. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Come over to the altar. Venez à l'autel. Come over to the altar. Come over to the altar. Venez vers l'autel. Come over to the altar. Church, celebrate Jesus as he comes out. Célébrez Jésus. Celebrate Jesus as he comes out. Célébrez Jésus pendant qu'ils sont en train d'arriver. The Lord bless you. God bless you. Come over. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Keep celebrating Jesus with a clap of hands. They are coming out. Continue à célébrer Jésus pendant qu'ils arrivent. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' most glorious name, we are giving thanks. Au nom glorieux de Jésus, nous avons rendu. Congratulations. Félicitations. I took this step. J'ai posé ce pas. And my life never remained the same. Et ma vie n'est pas restée la même. A new you is emerging now. Un nouveau vous émerge maintenant. Now what do you do? Qu'est-ce que vous allez faire? Keep coming to receive the word. Continuez à venir recevoir la and parole. Keep following our prayer line. Et continuez à suivre nos prières. 2 months. 2 mois, c'est trop for your glory to be revealed for the world to see. Pour que votre gloire soit révélée au monde. In Jesus name. Au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus Père, Christ, au nom de Jésus, behold your children. Voici tes enfants. You are pulled out of the hold of hell. Que tu as sorti de l'enfer. Holy Ghost, Saint-Esprit, breathe on them. Souffle sur eux. Whatever be a concern for their life, tout ce qui était un problème pour eux, turn it for a testimony. Transforme cela en témoignage. The protocol breaking God, le Dieu qui brise le protocole, break protocol, va briser le protocole and settle this once. Pour régler leur cas. And we vow to return the glory to you, Father. Et nous faisons le vœu de te retourner toute la gloire. In Jesus name. Au nom de Jésus. And amen. Amen. Félicitations. Congratulations. Follow this covenant friend. Suivez les amis du royaume. They give some information. Ils vont vous donner quelques informations. Before you partake in this holy communion. Et vous reviendrez pour la communion. We are going to take this holy communion now. Nous sommes sur le point de prendre la Sainte Communion maintenant. Remember,
Souvenez-vous. The light shines in darkness. La lumière luit dans les ténèbres. And darkness comprehend not. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. By this blood of Jesus. Par ce sang de Jésus. By this body of Jesus. Par ce corps de Jésus. Whatever represents the activity of darkness in your life. Tout ce qui représente l'activité des ténèbres dans votre vie. They are swallowed up in victory now. Est englouti dans la victoire maintenant. They are flushed out now. Est expulsé maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Father, we believe. Père, nous croyons. This is the blood of our Lord Jesus Christ. Que ceci est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. This is his body. Et ceci est son corps. As we take this understanding. Et en le prenant avec cette compréhension. Whatever makes Jesus Christ Jesus Christ. Tout ce qui fait de Jésus Jésus. In his earthly ministry. Durant son ministère terrestre. We tap into the reality. Nous entrons dans cette réalité. Sickness are humiliated now. Les maladies sont humiliées maintenant. Poverty is cursed. La pauvreté est maudite. Untimely death is destroyed. La mort prématurée est détruite. Evil altars are scattered. Les mauvaises, les choses démoniaques sont dispersées. Curses are reversed back to sender. Et les malédictions sont renvoyées à l'expéditeur. By this holy communion table. Par cette sainte communion. Barrenness is destroyed. La stérilité est détruite. By this holy communion table. Par cette sainte communion. In Jesus' name. Au nom de Jésus. The name of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit. This is now the true holy communion. C'est maintenant la sainte communion. In Jesus' name. Au nom de Jésus. You take your seat. Vous vous asseyez. After partaking. Après avoir pris la communion. You will jump up. Vous vous levez. And celebrate the prophetic fulfillment of your life. Pour célébrer l'accomplissement prophétique Make dans sure vos vies. Make sure you dance and celebrate. Assurez-vous de danser et célébrer. In Jesus' name. Au nom de Jésus.